こんばんは皆さん。元気ですか? Quand je dis Naruto, vous mettez Naruto dans le chat, s'il vous plaît. こんばんは。元気ですか? Comment ça va tout le monde? Oh, on m'entend, hein? Oui, on m'entend. Je suis en train de me dire, on m'entendait pas depuis tout à l'heure? Arrête, fantôme, t'es pas gentil. Bon, je vois des Naruto, tout va bien. Comment ça va tout le monde? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Bon, après, je parlais pas. C'est peut-être pour ça aussi, mais je suis en train de me dire, est-ce que j'ai mute le mauvais son? Bon, soit toi, c'est pas très grave. Genki desu, ah, ça fait plaisir, je vois des petits genki desu, oui ça va, assez tranquille, ah super. Coucou tout le monde, vous êtes déjà nombreux, ça fait plaisir. Du coup, Luke-san qui va pas rester longtemps parce qu'il a des cours, bah, bon courage à toi. Kanbatte ne. Kanbatte kudasai. Alors attendez, je fais les réglages comme d'habitude. Est-ce que vous m'entendez bien et est-ce que la musique de fond est assez forte ou pas trop forte? Dites-moi. Ah non, comment? Ah, par contre, vous entendez mes trucs d'arrière-plan. Attendez. Petit message Messenger. Hop, je coupe Messenger. Voilà, il vaut mieux. Du coup, courage à toi, Kumo. Bon, j'espère que toi, tu ne l'as pas. Et j'espère que pour ton père et ton frère, ça va aller. Bon, le Covid de maintenant est un peu moins... il fait un peu moins peur que celui d'il y a quelques mois, mais... Alors, je vais augmenter un peu la musique, du coup. Voilà, comme ça devrait être un peu mieux pour tout le monde. Pour le moment, ça va. Bon, bah ça va alors. Je croise les doigts pour eux, que ça reste comme ça. Est-ce que vous entendez mieux la petite musique de fond ou pas? Le Covid en japonais? Covid. Non. Oh, ah non, Corona. Coronavirus. La version facile, c'est Coronavirus. Virus, hein, coronavirus. Et ils ont un mot que j'ai oublié, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de news sur le Corona, mais un peu plus scientifique. Khan, quelque chose, je crois. Mais je sais plus, voilà. On va retenir coronavirus et c'était déjà très bien. En espérant en entendre parler de moins en moins. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Dites-moi. Est-ce que vous avez déjà fait un peu de japonais? Ou est-ce que c'est le moment où vous en faites? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Arigato! Ichini-san! Arigato! Merci beaucoup Neko Céline. Déjà 9 mois. 9 mois consécutifs en plus. Je veux des clap 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 dans le chat. Des clap 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 pour Neko Céline. Arigato gozaimasu. Merci. J'espère que tu vas bien. Comment vas-tu Neko Céline? Ah, vous c'était le boulot? Oh. Il y en a qui ont bossé aujourd'hui. Naruhodo. Bon, est-ce que vous êtes motivé du coup pour faire un peu de kanji aujourd'hui? J'ai fait ce matin Aiweo Kakikukiko. Ah, génial, Lux! Et ça va? Depuis quelques jours là que tu y es, ça commence à rentrer? Cela en tout cas? J'ai fait les pages voyelles longues et là, je remplis mon cahier de mots de vocabulaire. Oh, GG les nassins! GG! Ah, c'est super! Alors bah, là, je vois que vous travaillez tous vos canards, impeccable! C'est du très bon boulot ça! J'ai appris les jours de la semaine. Oh, Nabuta-san! Naruhodo. Et ça va? Pas trop compliqué? Bon, généralement avec le yo-bi, hein. Ça, c'est pas le plus difficile. Mais c'est déjà très bien. Déjà super bien. J'étais en train de lire le remake de Tsukihime en japonais. Pas simple du tout. Nasu est un fou furieux. Aso desu ka? Aso desu ka? Pour l'instant, ça va. Je les écris chaque matin. Ah! Un point bonus, ça. C'est bien, faut le faire un peu tous les jours. Il faut se mettre au kanji, alors go. Alors, vous inquiétez pas. Les lives de kanji, on va les faire par 8. 8 kanji par semaine. Donc là, on va commencer avec les plus faciles. On va faire les chiffres de 1 à 8. On les a déjà fait plusieurs fois sur cette chaîne. On les refait parce que j'ai trouvé une autre méthode que je vais utiliser pour faire les lives
Twitch. Le plus, c'est que, bon, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous l'avez déjà vu hein, sur le Discord, mais à la fin des 8 caractères que l'on aura travaillé, eh bien, on fera tous ensemble un quiz sur l'application Quizlet. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à justement créer un compte sur cette application. Et vous allez voir, je vous enverrai un lien, vous aurez juste à cliquer. Et c'est des petits quiz sous forme de QCM. Vous avez un certain temps à partir, il me semble que c'est 10 secondes, pour répondre à la question qui vous sera posée. Donc c'est un exercice un peu compliqué, dans le sens où là, on travaille les kanji et juste après, donc on va travailler la mémoire courte, hein, juste après on travaille le vocabulaire, mais c'est parce que c'est le premier cours, donc on est forcément en décalé. Le prochain cours de kanji, c'est-à-dire du coup... mardi maintenant, en début de cours, c'est ce qu'on fera. En début de cours, on fera des exercices, donc on refera ici les quiz, Quizlet justement, et après, bah, on fait une nouvelle leçon, puis la semaine d'après, on fait un quiz, et on refait une nouvelle leçon, puis etc, etc, etc. Et donc, vous allez voir, avec Quizlet, vous allez pouvoir travailler la lecture, notamment des kanji. Et Gosto qui nous sort son meilleur... origami. Alors attendez, parce que mes feuilles d'origami, elles sont cachées là, tout loin. On va en faire une orange, c'est la première que j'ai. Un petit origami orange. Hop. Mais voilà, le programme pour aujourd'hui. Donc on va travailler les kanji de 1 à 8 pour les nombres. Et ensuite, on va tester tous ensemble, voir si ça fonctionne, de faire des petits QCM par rapport à ces kanji, notamment... aux lectures, aux mots de vocabulaire qu'il y a. Si ça vous plaît, eh bien écoutez, on fera ça chaque semaine. Si vous trouvez ça moyen, eh bien je trouverai un autre moyen de vous faire pratiquer les kanji durant les lives. Voilà. C'est une chose qu'on faisait pas du tout depuis la reprise, vu qu'on faisait juste 5 kanji après le cours de grammaire. Mais à partir de maintenant, ça va changer. Donc j'espère que vous êtes motivés, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits clap 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 dans le chat, à savoir du coup qu'on recommence les kanji à zéro, donc c'est le moment ou jamais pour vous y mettre. Ceux qui commencent les kanas, vous pouvez commencer à apprendre des petits kanji à droite à gauche, mais votre priorité, il ne faut pas l'oublier, ça reste les kanas pour le moment. Donc passez plus de temps à apprendre les kanas que de temps à apprendre les kanji, pour le moment en tout cas, d'accord ? Ça, je veux que ça soit clair pour tout le monde. La priorité quand vous commencez, c'est d'apprendre les kanas. Et une fois que vous avez appris les kanas, eh bien, votre priorité, ça sera d'apprendre eh bien, les kanji. Mais seulement après. Seulement après. Là, ça ne vous empêche pas, dans tous les cas, de rester avec nous, de pratiquer. Je vous invite, du coup, pendant que je suis en train de faire ma petite origami... bah, à prendre un stylo, un crayon, parce que vous allez voir, on va le prendre le temps de tracer. Je fais n'importe quoi, attendez. Je suis en train de plier n'importe quoi, du coup. Attendez. Hop, 1, 2. Et une fois ça que c'est fait, on retourne. Vous devez entendre des bruits de papier, en plus, ça doit pas être très agréable. Je me dépêche. Je vois qu'il y a des clap, 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 et que du coup les gens sont motivés, ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, déjà bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Petit challenge origami de la part de Gosto, donc je m'occupe de ça. Et je réitère, mais n'hésitez pas à aller prendre de quoi écrire. Pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, je vous ai envoyé ce matin, il me semble, un petit PDF que vous pouvez imprimer qui vous permettra de tracer vos caractères plus simplement. C'est une grille. Si vous avez été curieux, vous avez certainement dû voir. Hein. C'est une grille qui vous permet de tracer les kanji. Donc n'hésitez pas à l'imprimer si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, pas d'inquiétude, un cahier, une feuille quadrille, une feuille blanche peut-être, peut largement suffire pour faire ce que l'on va faire aujourd'hui. Pas besoin d'être abonné à la chaîne pour pouvoir participer et réussir à suivre ce cours. Hein. Je préfère préciser pour les nouveaux. Mais il y a des petits bonus pour ceux qui soutiennent la chaîne, bien évidemment. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas souhaité la bienvenue à Léna. On va t'appeler Léna. Hein. J'ai failli le dire en plus. Ah là là. Ah là 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 là. Je me fais avoir par des pseudos. Non mais oh. Après, je me suis arrêtée avant. Théoriquement, je me suis pas fait avoir du coup.
Coucou Naila-san, ohayo, konbawa, comment tu vas? On y est presque, il avance, doucement mais sûrement, cette petite grue. Est-ce que quelqu'un peut faire un compteur, du coup, un point d'exclamation origami, s'il vous plaît, pour compter la grue supplémentaire? J'étais à 70, je crois. Donc là, ça fera 71. Hop. On y est presque. Et du coup, alors attendez, petite transition. Oui, je suis pas au début, bah bien joué Candice. Voilà. Donc aujourd'hui, petite question, on va prendre l'habitude. Hein. Kyo wa nanichi desu ka, minasan? On est quel jour aujourd'hui? En japonais, bien évidemment, soit en hiragana, soit en loromaji, en fonction du clavier que vous avez ou que vous n'avez pas. Kyo wa nanichi desu ka? Punese-san, kyo wa nanichi desu ka? J'en doutais. Ii desu ne. Hop, et parfait. Voilà, une petite grue supplémentaire sur la guirlande en préparation. Challenge des 1000 grues. un jour, j'espère que cette chaîne sera encore existante le jour où on fera les 1000. Vraiment, je l'espère de tout mon cœur. Kyo wa nanichi desu ka? Hop, elle est magnifique. Perfect. Kanpeki desu. Hop. Voilà. Oh, GG, punaise. Ça va. De toute façon, ça, c'est une mécanique à prendre. Hein. Plus vous le ferez, plus ce sera rapide. Hein. Et donc, en effet, merci Kumo et Punaise pour la réponse du jour. Merci à Marwana aussi. Très bien. Excellent. En effet, hein, avril, c'est Shigatsu. Shigatsu. Et le 14, Juyoka. Shigatsu, Juyoka des. Bien joué, Dokuya-san. Parfait, tout le monde. Très, très bien pour ceux qui ont répondu. Autrement dit, le jour 4, faites attention, c'est irrégulier. On dira Juyoka. Juyoka. Et pareil, le quatrième mois, c'est Shigatsu. Et pas Yongatsu. Ah, ne t'inquiète pas, Naila. Il ne faut pas hésiter à revoir les cours hein, en replay sur la chaîne YouTube. Et de toute manière, il y a des cours qui seront dédiés aussi à la révision de vocabulaire et où on refera des exercices et où je vous remontrerai. Ça, j'essaierai de le faire une fois par mois, l'heure et la date, qu'on prenne 15 minutes pour le revoir rapidement. Donc, vous inquiétez pas. Ça va revenir à un moment donné sur la chaîne si vous ne voulez pas regarder les replays. Oh, la chaîne YouTube, ça marche pas? Ah oui, j'allais dire. Voilà. il est un peu lent, le bot, aujourd'hui. On va le chouchouter, d'accord? On va chouchouter notre petit bot. Donc, aujourd'hui, voilà le programme pour tout le monde. Le kanji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, on commence avec les chiffres. Vous pouvez déjà voir, pour ceux qui n'ont aucune base en japonais, que ben, les chiffres de 1 à 3, déjà, c'est plutôt facile, hein. Ça va être vite acquis pour tout le monde normalement. Je vous propose qu'on commence. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez-moi des clap-clap dans le chat si vous êtes prêts pour commencer et motivés, bien évidemment. Je veux voir une ribambelle de clap-clap-clap dans ce chat. Ah, ça oui. Avec un petit jiraya juste à côté. Parfait. Bon, on est parti. Je fais du coup, à l'aide de ce premier kanji, un topo sur qu'est-ce que c'est les kanji en japonais, d'accord? Ça, évidemment, il faut que j'en parle pour tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, normalement, si vous êtes sur cette chaîne, vous avez peut-être déjà des bases, à savoir les kana. Les kana, comment je l'explique? Généralement, je dis qu'un caractère, c'est égal à un son. Et que des kana, il y en a de deux types. Soit les hiragana, celui qu'on apprend en premier, soit les katakana, qu'on apprend en second et qui permet d'écrire les mots qui ont une origine étrangère. Et en plus de ça, une fois qu'on connaît ces deux-là, on commence à travailler ce qu'on appelle les kanji. Les kanji, pour faire vraiment très très soft hein, sur les explications, c'est des idéogrammes qui viennent de Chine, qui sont souvent plus complexes que les kana, parce que premièrement, un kanji, ça peut avoir un ou plusieurs sens.
Le kana, lui, n'a pas de sens. Hein, il est là que pour le son qu'il fait. Et en plus de ça, eh ben, ça n'a pas qu'une seule lecture, hein, kanji. Ça peut se lire de plusieurs manières. Une, deux, trois, quatre. Des fois, il y a peut-être 10 lectures sur des kanji qui sont plus ou moins variés. Et ces lectures-là, du coup, il en existe de deux types. Il y a ce qu'on appelle la lecture kun, la lecture japonaise. Cette lecture-là, eh bien, on va l'utiliser, et ça, c'est une règle que l'on utilise pour, on va dire, 90% des cas, hein, y a toujours des exceptions. On commence notamment avec des exceptions, mais soit. La lecture japonaise, elle va s'utiliser lorsque le kanji sera tout seul ou lorsqu'il sera accompagné d'un kana, souvent un hiragana. Donc, lecture kun, lecture japonaise, c'est la même chose. Eh bien, soit le kanji est tout seul, soit le kanji est accompagné d'un kana. On a ensuite, donc lecture kun, on a ensuite la lecture on. Lecture on, c'est la lecture sino-japonaise, lecture chinoise, hein, sino-japonaise. Celle-là, on va souvent l'utiliser quand le kanji sera avec un autre kanji. Et donc là, on va voir quelques exemples, hein, sauf que, comme je vous l'ai dit, les chiffres, c'est pas le bon exemple, parce qu'il y a des irrégularités, ok? Donc on verra ça notamment sur d'autres kanji par la suite, mais vous pouvez déjà retenir que la règle principale, c'est que, si on récapitule, hein, et n'hésitez pas à poser des questions si ce n'est pas très clair, les kanji, c'est pas le plus évident à comprendre au début, donc comme d'habitude, posez des questions si vous en avez. Un kanji, ça a un à plusieurs sens, mais également plusieurs lectures. Il existe deux types de lectures, soit la lecture kun, lecture japonaise, soit la lecture on, la lecture sino-japonaise, chinoise. La lecture kun, dans 90% des cas, on va l'utiliser quand le kanji sera tout seul ou quand il sera accompagné de kana, souvent des hiragana. Alors que la lecture on, elle, on va l'utiliser dans 90% des cas lorsque le kanji sera accompagné d'un autre kanji. Et ce qu'il faut savoir du coup en japonais, c'est quand vous apprenez vos kanji, il ne faut pas apprendre toutes les lectures bêtement, ça ne sert à rien. Là vous voyez sur le diaporama, ici ce sont toutes les lectures qui peuvent exister hein, en japonais. Mais il faut apprendre des mots qui vont utiliser ces lectures. Ça ne sert à rien d'apprendre ichi, i, petitsu, itsu ou hito. Comme ça ne sert à rien. Par contre, si vous retenez que ichi, ben ichi tout seul ça veut dire un. Et puis que itsu, ici on l'a où ça par exemple? Ici, itsu, i petit tsu, on l'a dans ippun pour une minute. Là tout de suite ça devient plus cohérent. Pareil, hito tout seul ça sert à rien non, parce que hito ça se lira comme ça que si, eh bien, on a un tsu peut-être derrière. Et dans ce cas ça se lira hito tsu. Ou même chose, si on a un lit derrière ou du coup le kanji de la personne, à eux deux, lecture spéciale, ça se lira hitoli. Donc je répète et j'insisterai jamais assez, un kanji, ça a un à plusieurs sens, mais également plusieurs lectures. Les lectures, c'est soit kun, soit on, et pour les retenir, il ne faut pas retenir la liste bêtement, mais plutôt retenir des mots de vocabulaire qui vont utiliser les lectures. Et cela sous-entend qu'il faut retenir les combinaisons, l'ensemble, tel kanji avec tel kanji, ou tel kanji avec tel caractère, qui vont donner une certaine lecture. Donc, comme je le disais, tout seul, il se lira ichi, et ça va vouloir dire un, ichi. Par contre, si on met le kanji de un avec le petit tsu, là, ça va vouloir dire une chose et ça se lira hitotsu, hitotsu. Juste parce que derrière le 1, on a un tsu. Lecture, elle change en fonction de ça. Pareil, un 1 plus l'heure, ça se lira ichi, di. Par contre, si on prend un 1 avec le kanji de la minute, ça se lira ippun, ippun. Donc, la combinaison des deux fait qu'on a une lecture spéciale, une lecture par rapport à cette combinaison. Après, on a ici le mois de janvier, hein, Ichigatsu, Ichigatsu. On a également Ichinichi, c'est-à-dire un jour, voilà, Ichinichi, un jour. Et on a également, avec les mêmes kanji, une autre lecture,
C'est tsui tachi. Tsui tachi, lecture super irrégulière. Hein. Ici, on vous met un petit astérisque pour vous dire que faites attention. Hein. Tsui tachi, c'est le premier jour du mois. Donc, par exemple, si aujourd'hui on était le 1er avril, on dirait shigatsu tsuitachi. Shigatsu tsuitachi. On vous a également mis hitori pour une personne. Donc là, il faut retenir. Ça, c'est hitori. Et enfin, ichiban, c'est-à-dire numéro 1, ichiban. Autrement dit, quand vous apprenez les kanji, donc là je blablate beaucoup et après on passera comment dire, à la pratique, hein. Mais quand vous apprenez les kanji, déjà il faut comprendre comment ça marche. Là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et ensuite, il y a deux étapes. Premièrement, vous apprenez à l'écrire. C'est ce que l'on va faire là tout de suite maintenant avec ceci. Et deuxièmement, il faut retenir les lectures en travaillant le vocabulaire. Et ça, c'est ce qu'on fera notamment à la fin du cours avec les petits quiz sur Quizlet. Okay? C'est ça, Binek-san. Il faut apprendre les différentes lectures avec le vocabulaire. Et coucou, Clarique-san, comment tu vas? Coucou, Gugeo-san, genki desu ka? Donc là, je vous ai mis mon petit écran. Bon, le 1, hein, c'est vraiment pas le plus difficile. Donc moi, je travaille sur une petite tablette comme ça, hein, tablette signature XP-Pen, le truc vraiment basique. J'ai pas trop l'habitude, donc vous verrez que mes kanji sont pas toujours très jolis, mais je vais essayer de m'appliquer. Et je vais vous inviter à faire la même chose que moi, à savoir tracer plusieurs fois ce caractère. Bon, là, le 1, vous voyez, il n'y a qu'un seul trait. C'est un trait horizontal. Il faut que je cherche ma souris, attention, il est là. Et on aura quelque chose comme ça. Ichi. Et tout seul, il se lira ichi. 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 Celui-là, c'est pas le plus compliqué, encore une fois. Mais là, c'est vraiment l'exemple parfait pour vous expliquer, prendre le temps d'expliquer ce que sont les kanji en japonais et voir ensemble la démarche que l'on va faire pendant ces cours de kanji. D'accord? Est-ce que tout le monde est encore en vie? Mettez-moi des clap-clap dans le chat pour me montrer que vous êtes toujours là. Généralement, c'est que vous êtes très attentif quand je ne vois pas de message. Je vérifie juste que vous êtes tous bien en vie. Ça m'embêterait de donner cours à des personnes qui sont mortes derrière leur écran. Je me sentirais très gênée, ma foi. Voilà, vous n'êtes pas décédé, tout va bien. Donc là, normalement, vous avez eu le temps. Pour ceux qui avaient une feuille et un crayon, notamment par rapport à ce que je leur ai envoyé sur Discord, ou ceux qui avaient un cahier. Hein. Et donc, sur ce principe, on va passer au kanji numéro 2. Alors, à chaque fois, vous avez des petits moyens mnémotechniques. Hein, là, pour l'instant, c'est plutôt facile. Donc, ce kanji-là, c'est le kanji pour dire 2. On vous écoute religieusement, Sensei. Je vois ça, je vois ça. C'est parfait. Et donc là, celui-là, ça va. Il y a déjà un peu moins de lecture. Ni, voilà, quand le kanji sera tout seul. Ici, on va le lire ni. Et sinon, l'autre lecture, c'est futa. Donc là, on vous a mis quelques petites choses. Hein. Ni, donc deux. Futatsu, pareil, c'est deux choses. Hein. Les compteurs... Ah, pardon, attendez. Hop, voilà. Les compteurs... Eh bien, on travaillera ça plus tard sur les cours de grammaire, notamment le mercredi, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Et bienvenue à toi, Sacha-san. Salut, comment tu vas? Follow shite kurete, arigato gozaimasu, kono chanel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et merci également à Asugi-san, merci pour ton follow, ça fait très plaisir. J'espère que vous allez tous les deux bien, que vous êtes tous des humains, notamment Asugi-san. N'hésite pas à mettre un petit message pour que je vois que tu es un humain comme nous. Et coucou à toi, Tsareta-san, qui a essayé de faire un apprenons 3 claps, mais qui n'a pas fonctionné. Il me semble qu'il faut être sub, je sais plus, je vous l'ai mis comment. Non, normalement vous pouvez le mettre, bah mince, pourquoi il n'a pas fonctionné? Ah, et Asugi-san, qui est un humain ou une humaine, peut-être, je ne sais pas. Bienvenue à toi en tout cas. Donc, si on reprend ici, 2, c'est ni. Ni, deux. Futatsu, deux choses. Et là, vous avez pas mal de mots de vocabulaire. Hein. Niji, deux heures. Nigatsu, février. Futari, deux personnes. Deuxième jour du mois, ça se dira Futsuka. Pour le 20e jour, là, on aura Hatsuka. Hatsuka. Et on vous a également mis l'âge, qui se dira Hatachi. Ils vous ont également rajouté ni jussai, mais ça se dit jamais. Hein. 20 ans, tout pile, c'est hatachi. Hatachi. J'ai
pas respecté la case. Qu'est-ce que tu as pas respecté? QA? Nani, nani, nani? J'ai pas compris. Du coup, pareil, là, c'est pas le kanji le plus compliqué, hein. On est sur deux traits horizontales qui forment presque un égal. Eh bien, je vous invite à le tracer. Celui du bas est légèrement plus long que celui du haut, mais c'est vraiment très léger. Oh, Haruki, comment tu vas? Ça fait longtemps? Genki desu ka? Maître du train. Comment vas-tu? Genki, genki. Et donc pour ceux qui viennent d'arriver, de follow, déjà merci. N'hésitez pas à prendre en cours de route, en train de travailler, les tout premiers kanji en japonais. Donc vous pouvez à tout moment vous joindre à nous sans trop de difficultés. Le tout, c'est ici d'essayer de prendre de quoi écrire et d'essayer de reproduire les caractères. Donc là, on a fait le kanji 1, c'est un seul trait, et le kanji 2, c'est deux traits. On est sur les faciles pour le moment. Ah, c'est pour ça! Naruhodo. Naruhodo, je comprends mieux. Ça va et toi? Bah écoute, ça va super! Nickel, on fait des kanji. Forcément que ça va. comment on dit oui, ça va en japonais? Genki desu, tu peux juste dire Hi, Genki desu. Hi, Genki desu. Dans le sens je suis en forme. Sinon, si tu veux dire oui, ça va, dans le sens j'ai compris, tu peux dire Daijoubu desu. Est-ce que quelqu'un dans le chat, un modo, peut l'écrire en lomaji et en kana kanji, s'il vous plaît? Je recommande fortement les kanji dans la tête. En 3 mois, j'ai réussi à apprendre le sens et l'écriture de tous les juryo kanji. 3 mois? Maji de hayai. Hayai, hayai. Voilà, Daijoubu desu. Daijoubu desu. So. Hop, bon, normalement, pour ça, c'est ok, j'imagine. Si je vais trop vite, vous n'hésitez pas à me ralentir et à me dire remets, remets, besoin de temps. Oui, c'est ça, Luc, c'est simple. Hayai, hein, rapide. Hayai, hayai. On passe en kanji numéro 3. Encore une fois, ici, ça va être plutôt facile. Et attention, il faut que je retire ça à chaque fois. Donc, san, hein, kanji pour 3, qui a également la lecture mi, mi petite su. Donc, 3 se dira san. Mitsu, 3 choses. Mitsu. 3 heures, sanji. Mars, san, gatsu. Le troisième jour du mois, mika. 3 personnes, sanin. 3 ans, sansai. Et ici, qu'est-ce qui me. Mikatsuki, croissant de lune, c'est ça? Je sais pas comment on traduit ça en français, je comprends pas le mot en anglais. Mikatsuki, amari c'est pas un mot que je rencontre assez souvent en réalité. Les nains, c'est ça. Ichi et Hito, tout à fait. Du coup, luxe san, ça va vraiment dépendre de ton mot, hein. Donc il faut retenir plutôt avec un mot de vocabulaire, c'est plus simple. Mais l'idée globale de 3, bah de ce kanji-là, c'est 3. Voilà. Et après, tout dépend du kanji ou du caractère qu'il va y avoir après. Coucou Takose-san, comment tu vas? Ouais, croissant de lune, sans dessiner. Et donc là, pareil, au niveau pratique, on est sur du 3 traits. Celui du milieu est plus petit que les autres, normalement, ce qui nous donne quelque chose de ce style-là, hein, pour le kanji de 3. 1, 2, 3, quelque chose comme ça. Donc là, vous pouvez en écrire plusieurs. Moi, désolée, je suis de biais par rapport à mon écran. Du coup, mes kanji sont un peu de biais sur l'écran. C'est ma tête, c'est ma tête. Hop. Voilà. Là, prenez le temps d'en faire quelques-uns. Une dizaine pour ceux qui sont assez rapides.
Et pareil, de toute façon, chose que je ne vous ai pas encore dit, mais c'est comme les kanas. Hein. Si vous êtes dans l'apprentissage des kanas, ça ne va pas trop vous changer. Quand vous apprenez les kanji, bah, il faut essayer d'en faire tous les jours, sinon on ne le retient pas. Donc tous les jours écrire, tous les jours travailler à la lecture. De toute manière, pour ces cours de kanji, je vous prépare toutes les semaines un deck Quizlet qui sera avec du coup tous les mots de vocabulaire, avec le kanji et sa lecture. Donc vous aurez la possibilité d'utiliser l'application Quizlet gratuitement. Les decks seront déjà faits pour retenir vos kanji. À la fin de ce cours, je vous ferai une petite présentation de l'application pour ceux qui ne la connaissent pas. Et vous verrez, elle est vraiment top pour ce genre de choses. Du coup, on continue avec le kanji de 4. Elles étaient bonnes les encornées. Oui, c'est très bon. Gosto a pas trop kiffé, mais moi j'ai adoré. Moi j'ai trouvé ça bien. Ichinisan nyaligato dessiné. Maintenant voilà, vous pourrez même l'écrire en kanji parce que vous connaîtrez Ichi, Ni et San. Tout à fait, vous êtes ce San sur dessiné. Donc ici, pour le kanji de 4, on est sur un kanji déjà un peu plus différent, varié, comparé à 1, 2, 3, hein, qui est assez explicite. Hein. Donc là, vous avez plusieurs lectures, Shi, Yon, Yo, Tsu ou Yo. Hein, et on vous dit, Shikaku ni wa Yotsu no kado ga arimasu. Donc dans un rectangle, il y a 4 coins. Et donc là, bah, vous avez un peu l'image mentale ici, hein. Avec les coins des rectangles. Moi, je sais que je vois souvent une fenêtre avec des rideaux. J'ai 4 fenêtres dans ma maison ou quelque chose comme ça. À vous de vous faire une image mentale aussi, un moyen technique pour retenir le kanji si vous en avez besoin. Des fois, on n'en a pas besoin. Ça se retient assez facilement. Mais là, avec cette méthode-là, il vous propose toujours des petites choses. Donc, 4 se dira soit yon, soit shi, en fonction du contexte. 4 choses, yotsu. 4 heures, yoji. Avril, shigatsu. Faites attention ici, shigatsu. 4e jour, yokka. 4 personnes, yonin. Donc là, faites attention, c'est pas yonin, mais bien yonin. Donc la 4e année d'études, yonense. Et enfin, 4 ans, yonsei. Yonsei. Donc faites attention, des fois c'est shi, des fois c'est juste yo et des fois c'est yon. Là c'est super important du coup de connaître les mots de vocabulaire pour avoir la bonne prononciation. C'est là où vous devez vous rendre compte de toute l'importance qu'a d'apprendre les lectures en fonction des mots et pas d'apprendre bêtement les lectures. Au niveau du tracé, du coup on va commencer avec le cadre, d'accord. On va commencer avec un trait vertical et on va vite essayer de fermer ce carré. Hein. Donc on va faire un angle comme ceci, les petits rideaux et on va fermer son carré. Alors là, je l'ai fait un peu vite. On va le refaire un peu plus soigneusement. 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit vous donner quelque chose de ce style-là. Quand on compte, on dit plus shi ou yon. Alors si vous dites, vous comptez de 1 à 10, c'est shi qui va sortir. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shi, hachi, kyu, ju. Mais yon se dit aussi, je pense que ça dépend aussi des régions. Donc les deux se disent. Je ne sais pas lequel va le plus sortir. J'aurais tendance à dire que si vraiment vous comptez bêtement de 1 à 10, ce sera shi. Mais j'ai pas vraiment de réponse sûre à 100%. C'est de l'intuition, si vous voulez. Ah, naruhodo, haruke. Vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Coucou Zélo, Suzanne, comment tu vas? Bonsoir. Donc là, pareil, je vous laisse le temps d'en écrire plusieurs. Hein, je vous remontre. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il est pas mal là, mon 4. Hein. Je peux tout faire. Et je bois un petit peu parce que je parle beaucoup. Du coup, je me déshydrate. Voilà pour 4. On est déjà à la moitié, du coup. On continue. 5. Alors, 5, pareil ici, deux lectures, go ou itsu.
Donc tout seul, hein, il se lira go, ça voudra dire 5. On a appris itsutsu, 5 choses. Goji, 5 heures. Go gatsu, mai. Itsuka, le 4e jour, le 5e jour pardon, du mois. Gonen, 5 ans. Gonin, 5 personnes. Et gosai, 5 ans. Minna konbawa kokunosu-san. Tsukareta sensei wa? Ma watashi wa genki desu. Ah, gambatte zerosu-san. Gambatte. Donc, go ou itsu, hein, go, itsutsu, goji, gogatsu, itsuka, gonen, gonin et gosai. Là, on veut dire gohon no matibo de go no katachi ga tsukuremasu ka? Est-ce que vous arriveriez à construire le kanji 5 à l'aide de 5 allumettes? Et donc, voilà, le dessin parle de lui-même. Hein, d'accord? On peut également y voir un 5, hein, je vais vous montrer ça. Hop. Ici, si je vous dessine le kanji, du coup, on commence toujours par le haut, hein, généralement. Haut, on descend. Ensuite, on doit faire un petit angle, vous voyez, comme ceci, et vous fermez. Et un 5, on peut le voir comme ceci. Il ressemble à tes bouts du cul. そうですか? Donc là, pareil, je vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour le tracer. 1, 2, 3, 4. Ça doit ressembler à quelque chose comme ça. Sans dessiner. Et du coup, il est en 4 traits. Hein. Celui-là, c'est un seul et même trait. Donc voilà pour celui-là, je vous le remonte une dernière fois. Ah non, je me suis trompée. Hop. Et donc du coup, ça va dépasser. Hein. Il y a des choses où il faut que je précise. Là, ça dépasse. Et là, ça ne dépasse pas. Pareil en bas, ça ne dépasse pas. Alors pas tout le temps dans ce sein. Vraiment, ça va dépendre juste du mot de vocabulaire. Quand vous dites juste 4, je sais que... Enfin, je pense que c'est quelque chose que vous savez tous, mais on dira pas chi. 4, c'est pas chi tout seul, c'est yon. Mais si on lit de 1 à 10, ichi, ni, san, chi, go, blablabla, là, ça passe. Mais tout seul, 4, on lira jamais chi, hein, à ma connaissance. Parce que justement, ça porte malheur, c'est connotation à la mort, etc. Donc on va éviter, hein, on va éviter. Après, c'est des choses que je... pense connaître, j'ai jamais forcément été vérifiée, c'est des choses qui me sont restées en mémoire, à voir si tout ça est vrai à 100%, mais je pense en partie. Voilà pour le 5, on continue. On peut utiliser le plus stylé au pire, ma sans dessiner, ah, à chaque fois j'oublie de retirer ça. Du coup pour 6, là pareil, il y a quelques lectures, hein. Loku, ro petit su, mu petit su, mui ou mu. Tout seul, on choisira loku, 6, mutsu, 6 choses, ropyaku, c'est 600, loku ji, 6 heures, lopun, 6 minutes, loku gatsu, juin, muika, 6e jour, et loku nin, 6 personnes. Ça va pour tout le monde? Alors, ouais, pour ceux qui se posent la question, c'est le carré blanc, c'est le partage d'écran de mon tableau blanc que j'utilise avec mon... comment dire? Ma tablette graphique. Et forcément, comme il se met et se retire manuellement, j'oublie. Donc, je répète, loku, 6, mutsu, 6 choses, ropyaku, 600, loku, ji, 6 heures, lopun, 6 minutes, loku, gatsu, juin, muika, 6e jour du mois, et loku, nin, 6 personnes. Chugoku no hito wa loku o koyate arawashimasu. Donc, apparemment, en Chine, les Chinois,
chinois, hein, pour faire 6, eh bien, ils font ça. Et donc, bah, vous avez un peu cette idée-là, du coup, visuellement, de pourquoi le kanji 6, il ressemble à ça. On peut également y voir une personne. Si je vous montre juste ici, je pense que vous le voyez tous déjà. Hein. On commence avec le petit trait en haut, trait horizontal et les traits de chaque côté. Et donc, bah, mon petit bonhomme, hein, il est là avec ses mains et avec ses pieds. Voilà. Hop. Et il n'est pas beau. Sans dessiner, il y a des grosses différences, on est d'accord. Donc faites bien attention à chaque fois à l'ordre des traits, c'est important. Ça va vous permettre de mémoriser plus facilement vos kanji et qu'ils soient aussi plus jolis, plus ressemblants à ce qui est fait en japonais. Et même en chinois, hein, si les kanji sont identiques en chinois, c'est la même chose en chinois. Hop, donc je vous le remonte une fois. 1, 2, 3 et 4. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Plein de petits bonhommes. Ça peut ressembler à une fleur aussi, hein. Si on imagine comme ça. Une fleur à 6 pétales. Vous pouvez imaginer ça peut-être, hein, une fleur à 6 pétales. Bon, encore une fois, vous n'avez peut-être pas toujours besoin d'images mentales, mais je vous les donne au cas où. Ça peut aider, sait-on jamais. Alors, le premier et le deuxième, si, hein, c'est juste que moi, j'écris vite, donc forcément, sur tablette d'autant plus, on ne les colle pas forcément. Mais ça, encore une fois, ça va dépendre du style d'écriture que vous avez, de la police d'écriture aussi. Des fois, en fonction de ça, vous le voyez déjà pour les kanas, ça fait changer un petit peu le caractère. Mais les traits restent là quand même. On a un trait au-dessus, un trait horizontal, deux traits sur le côté. C'est est-ce qu'il se touche, touche légèrement, touche pas trop, est-ce qu'il est un peu penché, est-ce qu'il est pas penché. Ça, c'est du détail, on va dire. C'est le souci du détail. Là, la police qu'eux utilisent, ils le font toucher, en effet. 1, 2, 3, 4. Voilà pour 6. On passe du coup à l'avant-dernier. Donc ça, c'est 7. Hein. Il pourra se lire Chichi. Ah, écran blanc. Ou Nana. Et parfois aussi Nano. Nana, Nano, Chichi. Donc 7, c'est comme pour 4, les deux lectures existent, soit c'est Nana, soit c'est Chichi. Pour 7 choses, on a Nanatsu. Je vais devoir vous laisser, je sais au moins écrire jusqu'à 6. Bon bah, il y aura le replay, ne t'inquiète pas, il en reste 2 pour aujourd'hui, tu auras le temps de regarder le replay si besoin. Ça va le faire. J'avoue que personnellement, l'ordre, j'y prête pas attention, surtout que la plupart du temps, quand tu connais l'ordre des traits des clés, tu devines l'ordre des traits du kanji sans trop de problèmes. Oui, c'est ça, hein. Après, du coup, Yanni, ça sous-entend qu'il y a déjà une connaissance des clés et une connaissance des caractères de base. Hein. Les 100 premiers, ça vous donne votre intuition pour les kanji. Et après, ça suffit, vous n'avez plus besoin de regarder après, quoi, tout simplement. Coucou, un petit message depuis la BU sans mettre le son, juste pour remercier ceux qui ont répondu à mon questionnaire. Merci Zazé, merci Minasan. Et si certains n'y ont pas encore répondu, merci à vous. Si vous souhaitez y jeter un œil, je vous embête pas plus. Gambate pour les kanji. Et encore merci, mais de rien, de rien. Bon courage, j'espère que tu as reçu quelques dizaines de réponses pour t'aider. Gambate, gambate kudasai. En espérant que Sayume sait lire sur les lèvres. Donc, si on reprend pour 7, merci beaucoup Izumai-san, merci pour ton follow, follow c'est cool été. Arigato gozaimasu, kono channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Genki desu ka? Est-ce que tu es en forme? Donc 7, tout seul, c'est soit Chichi, soit Nana. On va privilégier Nana quand on dit 7 tout pile. Hein. Nanatsu, 7 choses. Chichi, ji, 7 heures. Nana fun ou Chichi fun, on dira plutôt Nana fun, hein. C'est 7 minutes. Shichigatsu, c'est juillet. Nanoka, le 7e jour. Nananin ou Shichinin, 7 personnes, on dira souvent Nananin. Et ils nous ont rajouté Tanabata, une fête, ils disent hein, The Stars Festival, genre le festival de l'étoile.
qui se passe en juillet, il me semble. Voilà. Vous avez déjà certainement entendu parler, si vous avez regardé des dramas ou des animés, c'est quelque chose que l'on fait assez souvent. Fatigué, Izume-san ? Oh non ? Bah écoute, viens te reposer en regardant un peu de japonais, du coup. Moi, ça va. Ça va, ça va. Et donc ici, encore une fois, au niveau du tracé, alors, ici, nous disent, hein, Nitase-san, wa nana. Donc si vous faites 2 plus 5, ça fait 7. Et bon là, ils sont en mode 5 et 2, et ça fait 7. En additionnant, c'est pas con, hein, ça, c'est pas con, hein. Mais il faut l'avoir du coup. Et donc, si je vous remets le partage de mon écran, mon tableau blanc, on commence avec le trait horizontal, et ensuite on fait l'angle, hein, on vient couper et faire un angle, quelque chose comme ça. Et ça, bah, c'est nana. Nanatsu no taizai desu ne, so desu ne, seven deadly sins. On l'a gardé comme ça, nous, je crois. Hein. Mais du coup, Léna, tu vois, Nanatsu, cette chose. Tu sais déjà ça. En japonais, grâce à un titre d'animé. Donc, je vous laisse le réécrire plusieurs fois. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Quelque chose comme ça. On peut également, évidemment, y voir un set à l'envers. Hein. C'est l'effet miroir, du coup. Hein. Il a été tout retourné, dirons-nous. Parce que normalement, si je fais ça, je sais pas si je peux... Est-ce que je peux le retourner ? Pas l'air, hein. Je sais pas comment on fait. Il me semblait que je pouvais, mais... Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, ça va pour tout le monde? On arrive sur le dernier. Alors, le dernier, et évidemment, capture d'écran. c'est 8. Plusieurs lectures ici, hachi, ha petit tsu, ya petit tsu, yo ou ya tout simplement. Merci beaucoup XKVFR pour ton follow je t'ai coulété. Arigato gozaimasu, kono channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à nous laisser un petit message dans le chat pour nous montrer que tu es un humain. Tu es un humain, bienvenue. On peut connaître aussi le 4 dans Shigatsu. Wa, Kimi no Uso, exactement. Shigatsu, hein, le mois d'avril, du coup, le mois actuel. Konbawa, comment tu vas? Bienvenue parmi nous. Donc, pour 8, ici, katakana no hachi no ha desu. Eh bien, c'est la même chose que le katakana ha, hein, ce que je suis en train de vous dire. Ça ressemble fortement, très fortement. Voilà, ha, hachi. Le lien, ça va, c'est plutôt facile ici à retenir. Donc, hachi, hein, 8. Yatsu, 8 choses. Hapyaku, 800. Hachiji, 8 heures. Hachigatsu, août. Yoka, 8e jour du mois. Hachinin, 8 personnes. Hasai, eh bien, 8 ans. Yaoya, c'est le magasin de légumes. Pourquoi il y a 8? On sait pas. Donc ici pareil au niveau du tracé, pas trop compliqué normalement, je vous retire ça, hop, oh non, hop, voilà. On est sur deux traits, on commence par celui de gauche et puis celui de droite, tadam. Comme pour le katakana, ha, vraiment c'est très 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 similaire, très 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 similaire. Impec, merci de l'accueil, mais écoute, avec plaisir, merci à toi pour le follow. Je suis curieuse, du coup, toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver, comment vous avez connu la chaîne? Est-ce que c'est grâce à Discord? Est-ce que c'est les recos sur Twitch? Dites-moi un petit peu, que je sache d'où vous venez. Grâce à qui, peut-être, vous venez? Ou grâce à quoi? Donc là, on est sur le dernier kanji, donc je vous laisse encore quelques secondes eh bien, pour le tracer. Ah, Izume, c'est grâce au recos Twitch? Trop bien. Reco Twitch aussi. Oh, mais ils sont gentils, Twitch. Ils ciblent les bonnes personnes, dis donc. Des gens, ma foi, fort sympathiques.
Bon, du coup, pour l'apprentissage grâce aux animés, on a Go Tobun no Hanayome. Eh bien, écoute, Punaise-san, je ne connais pas du tout. C'est quoi comme type d'animé ? Dans mes rocos, hein, ceux qui me concernent, comme je suis pas mal de chaînes autour du Japon. Ah oui, tu suis cours de japonais, Sophie-san ? Naruhodo, c'est pour ça, tout est lié. Twitch aussi, c'est bien ciblé les gens. Hein. Il est gentil, Twitch. Oh, Judaichi, ma didé ! Yaho ! Comment ça va, Judai ? Je veux des clap 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 pour Judai qui est dans le chat. Comment vas-tu ? Toi, sur le stand Apprenons le japonais lors de la MIA, sans dessiner les nains. C'est vrai que la MIA a ramené quelques personnes très motivées sur la chaîne. Sur le Discord, ça fait plaisir à voir. Nickel, nickel, on charbonne. Judai, mon dieu, faut que je le dise. Ta dernière vidéo. Qu'est-ce que j'ai rigolé. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. Les gens, si vous n'allez... Si vous... Allez voir la chaîne de Judai. Allez sur YouTube. Allez regarder cette pépite dans son frigo. S'il vous plaît. Allez-y, ça vaut le détour. J'ai rigolé, mais ça m'a fait ma soirée. J'étais là, mais c'est quoi, c'est du génie. Celle du frigo, qu'est-ce que j'ai rigolé. Oh, j'ai vu, le stand est vraiment génial. Bah, déjà, merci. Et c'est vrai qu'on a bien taffé sur le design et sur la conception du stand. Du coup, je suis vraiment très contente du résultat. Ça fait un an que je l'ai, ce stand-là, de 16 mètres carrés. Et ma foi... Il fait son bonne impression. Il fait bonne impression. Mais oui, non, t'as ta vidéo sur le dans le frigo. J'étais mais morte en fait. C'est du génie. Je me suis dit mais comment il a eu cette idée là. C'était tellement drôle. Oh là là. Mais oui, non, voilà. N'hésitez pas, petite pub pour notre cher Judai qui est parmi nous. Il donne également des cours le samedi soir, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas très assidue sur le programme de tout le monde, mais n'hésitez pas. Ça vaut le détour. Donc un petit follow, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Je vous le recommande très fortement, voyez-vous. Un personnage dans One Piece, dans l'arc des hommes poissons, qui a 8 membres. En français, il s'appelle Okto. Et en japonais, il s'appelle Hachiso Desene. Et alors là, pareil, hein, Naruto. Ichibi, Nibi, Sanbi, Yonbi, je crois. Nobuta, on a les mêmes refs. Je perds mes mots en français, vous voyez. tous les noms commencent par un chiffre. Donc si vous les avez en tête et que vous êtes fan de Naruto, c'est plutôt simple à retenir. Ichi, ni, san, yon, go, loku, nana, hachi, kyu, que l'on verra du coup mardi qui arrive, pour les chiffres, voilà. Il est bien ton sang, la Emiya, ça donne envie d'y rester un moment. Non, c'est pas ce que j'ai fait les deux jours où j'ai été. Mais t'as raison, en même temps, faut s'installer, hein. Oui, voilà, on parle bien des démons à queue, hein, donc une queue, deux queues, trois queues, etc. Hein. Ichi, bi, ça va être la queue, et celui qu'on entend le plus, c'est Kyubi, hein, forcément, Kyubi, le démon à 9 queues, sur des scènes. Est-ce que ça va pour tout le monde, ces 8 petits candies? Je pense qu'on va essayer de garder ce rythme-là, 8 candies par semaine, à la fin de ce cours. Donc on va tester tous ensemble Quizlet. Donc vous pouvez d'ores et déjà, il y a une commande Quizlet, rejoindre le quiz. Je vais regarder pour ceci. Alors attendez, il faut que je... Hop. Normalement, en cliquant sur le lien, vous avez la possibilité, voilà, de rejoindre le petit quiz sur cette application. Je ne suis même pas sûre que vous ayez besoin de faire un compte, finalement. Pas <sûr. rire> Donc là, on a Kiki-san, on a Nose-san, Sophie-san, Paesjum. N'hésitez pas à cliquer. Ça vous permettra du coup de participer aux quelques quiz que l'on va faire. J'ai testé de mon côté et il me semble que vous pouvez y participer sans retard de stream parce que vous avez les questions sur votre PC ou votre téléphone directement. Donc ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas... la latence entre moi et vous ne va pas influencer votre réponse.
Les explications, elles viendront un peu après, mais vous allez pouvoir répondre correctement dans le temps imparti sans avoir besoin que moi, je ne vous donne la question. Donc n'hésitez pas, je laisse quelques secondes pour ceux qui veulent rejoindre, qui ont une connexion un peu plus lente. Donc le principe, c'est que ces decks-là, donc c'est moi qui vous les fais, voilà, vous n'avez qu'à en profiter finalement. Vous avez tous les mots de vocabulaire que l'on vient de voir aujourd'hui. 1 heure, 2 heures, 3 ans, 800, etc. Tout ce qui est sur les diapos. Des fois, je rajouterai peut-être des mots. Eh bien, vous avez des cartes pour ça, avec le kanji et derrière sa lecture. Je vous ferai une petite présentation de l'application Quizlet à la fin de ces petits quiz. Hein. Et ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez travailler votre lecture des kanji. Et forcément, il faut que vous puissiez travailler également le mot de vocabulaire, mais ça, tout est expliqué sur les diapos, d'accord? Et donc là, vous allez avoir un certain nombre de questions, donc je pense que l'on va pouvoir lancer, je fais une dernière fois la commande pour les derniers arrivants. Donc là, on a Kiki-san, Nose-san, Esodolimu, Neko-seline, Luka-san, Mawena-san, Pune-san, Lina-san, Zero-san, Gugeo-san, Asugi-san, Nobuta-san et Kumo-san. Voilà, s'il y en a qui veulent venir, n'hésitez pas, il reste encore quelques secondes. Et du coup, vous allez avoir une dizaine de questions, il me semble. Et c'est du QCM, donc vous devez essayer. Donc là, on est sur... le terme, donc vous allez avoir le kanji, la lecture ou le kanji, ça vous verrez bien. En tout cas, je peux changer. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse 3 quiz thème et 3 quiz définition pour faire 6 quiz au total pour essayer de réviser. On va voir le temps que ça prend. On va voir si j'ai besoin de donner des explications. Mais l'idée, c'est que là, on prenne une vingtaine de minutes pour s'entraîner à lire. Tous ensemble et à choisir les bons kanji ou à choisir la bonne lecture. Ryo suru et tsukau. Alors, on a un kango et on a Yamato Kotoba. Tsukau, c'est le mot japonais, c'est le mot facile. Alors que Ryo suru, c'est le mot à double kanji qui est du coup considéré comme plus. Pas honorifique, mais plus poli parce que c'est un mot à double kanji, un mot composé. C'est généralement juste ça. Juste N5, N4. On travaille les Yamato Kotoba, donc Tsukau. À partir du N3, on travaille les Kango, donc Ryo. Vous voyez? C'est un peu ça la différence. Elle est bien, hein, non, c'est ça, non? Moi, c'est vraiment une application que j'aime bien. Alors, on va faire un premier test pour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts? Mettez-moi des clap-claps dans le chat si vous êtes tous prêts sur votre téléphone ou sur votre PC. Coucou Soutni-san! Bonsoir, comment vas-tu? Comment ça, on est prêt, Kiki-san aussi? Waouh, tout le monde est prêt! Parfait! Eh bien, écoutez, c'est parti! Tout le monde est reconnecté. Commencez le jeu. Et là, bon bah, vous devez choisir le kanji. Un peu compliqué ici. À votre avis, quelle réponse se lirait Hitori? Un peu compliqué pour ceux qui débutent vraiment. Les kanji, c'est un peu compliqué. Hitori, à votre avis, c'est quoi? Là, ça va permettre juste de voir un peu ce que ça donne. Très bien. Hitori, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est, Hitori? Et donc, de cette façon, eh bien, on va tout simplement pouvoir aussi travailler le sens. Vous choisissez ici le kanji et après, vous me dites le sens. Hitori, très bien. Une personne. Très, très bien. Et là, c'est presque un sans faute. Parfait. On continue. Alors, quel est le kanji pour Yon? Yon. Mémoire à court terme. Hein. C'est un exercice assez difficile en réalité. Hein. C'est pour ça que les prochaines fois, on le fera toujours en décalé. C'est-à-dire que mardi, on refera ce même quiz. Là, on le fait juste à titre d'exemple pour voir si ça vous plaît, si ça vous donne envie. Voir si ça marche en live. Très bien, tout le monde. En effet, c'est la réponse C. Qu'est-ce que ça veut dire, Yon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4. Yon, 4. On continue. Mutsu, ça sera quel kanji? Mutsu. Et je suis en train de voir que moi, mon écran, du coup, on voit pas bien.
Hop, attendez. Mutsu. Voilà. Va falloir que je règle bien ça pour les prochains lives. Hop. Mutsu. En effet, réponse C. Réponse C, qu'est-ce que ça veut dire? Mutsu. Mutsu. Mutsu wa nan desu ka? Nan to iu imi desu ka? Hop. Voilà. Six choses, très bien tout le monde. On continue. Ropyaku. Ropyaku. À votre avis, ça serait quel kanji? Ropyaku. 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 Oui, très bien. Ici, un ropyaku, ça vient de loku, un 6. Donc, il faut reconnaître le kanji de 6. Ici, on n'avait qu'un. Donc, réponse A. Et donc, ropyaku, ça veut dire quoi? Ropyaku wa douyuimi desu ka? Nan touyuimi desu ka? Nan desu ka? Très bien, 600. On continue. Hachi. Hachi, c'est quel kanji? Hachi. Hachi, comme dans le katakana ha. Donc ici, c'était la réponse C. Hachi, comme le katakana ha. Qui veut dire, du coup Ah, oh, dommage, Lena-san. Zannen, zannen. En effet, ça veut dire 8. Très bien. On continue. Itsutsu. Itsutsu. C'est quel kanji? Itsutsu. どうですか? 5つ5つ5つ5つ5つ5つ5つ C'est la réponse D. Très bien. Que veut dire 5つ5つ? Au hasard celui-là, non, c'est ça? 5つ5つ ça veut dire quoi, les gens? Oui, c'est 5 choses. Itsutsu, 5 choses. Itsutsu, très bien. On continue. Ippun. Ippun. Ce sera quel kanji? Ippun. Ah, ça, t'inquiète pas, Neko Céline. On va faire après une fois un thème. Et là, c'est vraiment à titre d'échauffement, voir si le concept vous plaît. Si en live ça va, c'est pas toujours évident. Donc là, c'est du test aujourd'hui. Et donc, en effet, réponse A. Qu'est-ce que ça veut dire? Ippun. Ippun. Ah, Keve-san qui adore le concept. Yokatta, yokatta. Ippun, tout à fait, hein. Une minute, une minute. On continue. Ichi. Ah, alors qu'est-ce que c'est Ichi? Quel kanji? Ichi va... Ah, desne. Et qu'est-ce que ça veut dire, ichi? Ichi, ni, san, ni, arigato, desne. Oui, c'est un. Parfait, tout le monde. Sanji. Quels seront les kanji pour sanji? Compliqué, celle-là. Hein? Sanji. Sanji. Do desu ka? Sanji, ça sera la D, hein. Compliqué, hein, ici, il faut connaître les kanji. Qu'est-ce que ça veut dire, Sanji? Sanji, c'est pas des minutes, justement. C'est le pote de Luffy. Exactement. C'est des heures, tout à fait. Hein. Sanji, ça sera 3 heures. 3 heures. Sanji. Très bien.
Le suivant, Nanoka. 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 Nanoka va. Nanoka. Nanoka. C'est la D. Qu'est-ce que c'est Nanoka? Ah ah. Regardez les kanji, le deuxième pour ceux qui connaissent les kanji. Nanoka. Ah, ne t'inquiète pas, non, c'est simple. Et c'est un exercice compliqué, hein. Et normalement, cet exercice-là, on le fait après que vous ayez eu le temps de réviser pendant une semaine. Donc là, c'est normal que ce soit compliqué aujourd'hui, d'accord? Et en effet, c'est le septième jour. Très bien, très très bien. Onzième question. Nigatsu. Nigatsu. Qu'est-ce que c'est Nigatsu? Réponse D, tout à fait. Et qu'est-ce que ça veut dire? Iné, minasan. Très bien, très très bien. C'est février, le mois de février. Douzième question. Sanbyaku. 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 Très bien, sans faute pour tout le monde. Sanbyaku, ça veut dire quoi? Très bien, très 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 bien. 300. Et on arrive du coup à la fin de ce petit quiz. 82% de moyenne, c'est très bien, hein. Et donc, on a eu des perfects, bien évidemment. Et on a l'Etasan et Zero Susan qui finissent tous les deux à la première position. Nobuta en deuxième position. Ainsi que beaucoup d'autres. C'est très bien. Mathias San, Gudjeo San, Kiki San et Asugi en deuxième position. Et Marwena San et Paesjim en troisième position. Très bien, tout le monde. Donc là, il y a eu du mal hein, sur le Sanji. En même temps, Kanji compliqué, c'est là. Mutsu, Ippun, Itsusu. Hein. C'est très bien, tout le monde. Du coup, on fait créer un nouveau test. Nice, nice. Nice, nice. Nice, nice. She's a chan. Sans dessiner. Coucou à toi, Lolis-san. Merci beaucoup pour ton follow. Ah non, follow, je t'ai coulé. Arigato gozaimasu. Konnichiwa. Yokoso. Bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. Konbawa, genki desu ka? Genki desu. Arigato, ne. Et Lolis-san, no, genki desu ka? Ah, dommage, Azum. Dommage. T'aurais pu avoir un perfect, mais ça n'a pas été le cas. Alors, du coup, on va quitter cette évaluation-là et on va recréer un live et je vais vous renvoyer un lien pour ceux qui viennent d'arriver. Du coup, attendez, hein. Là, on commence le terme aléatoire et du coup, je vous redonne un lien d'activation. Vous avez juste à cliquer dessus normalement. Hop, copier le lien d'activité. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus et à mettre un pseudo. Je vous attends. Kore wa nan desu ka? Kanji, kanji o renshu suru tame no application. Quizlet という application. Ah, dommage Nobuta-san. Dommage, dommage. Vous avez une quinzaine de secondes à chaque fois. Je pense que quand vous aurez le deck en main, chose que je donnerai à tout le monde, abonné ou pas abonné, hein, y a que les PDF et ça que je les réserve aux abonnés, vous aurez le temps toutes les semaines de réviser, d'accord? Alors, c'est pas le même test.
Du coup, c'est ici l'inverse. Vous allez avoir les kanji, et puis bah, il va falloir donner la lecture cette fois-ci, peut-être plus facile. En tout cas, ce sera les mêmes kanji, évidemment, les tassins, mais rien ne t'empêche de le faire encore une fois. Hein. C'est pas, ici, il y a un ranking, mais en soi, le plus important, c'est que vous puissiez tous réviser et participer. Je pense que c'est ça le plus important. Je vous redonne le lien pour ceux qui veulent. Je vous laisse encore 30 secondes. Sensei wa yasashii ne. Yasashii ka? Ah, ureshii ka? Et sokka, watashi ka? Gambatte Punaise-san. Gambatte, gambatte. Bon, ça a l'air d'aller pour tout le monde. Je le remets une dernière fois et on le lance. Je pense qu'on fera une de chaque, en fait, ça fait 10 minutes. 10 minutes pour 12 questions. Plus ou moins, plus ou moins. Avec le temps d'explication et que tout le monde arrive. Donc on en fera un de chaque à chaque fois. Un de lecture et un de kanji en début de cours. Donc vous savez ce qui va vous attendre mardi, 18h30. On commence par le Quizlet, ok? Je lance l'évaluation. Mettez-moi des clap-clap dans les chats si ça va pour tout le monde. Est-ce qu'on peut commencer? Daijoubu desu ka? C'est parti! Gambatte minasan. Alors là, forcément, moi, je dis rien. À votre avis, c'est deux petits kanji. Ils se lisent comment? Ah, vous avez 20 secondes. 20 secondes à chaque fois. Alors. Je vais peut-être vous lire les réponses quand même. Je vais vous lire les réponses, ça sera plus simple. En effet, hein, Sangatsu, qu'est-ce que ça veut dire? Sangatsu. Sangatsu. Mmh. 3 mars. 3 mars. Mars, troisième mois. Mars, très bien. On continue, je vous lis les réponses du coup. Hein. Tsugi. Hitotsu. Hitori. Yotsu. Yatsu. Oh non, Lucas-san. Gambatte, gambatte, Mina. Hitotsu. Hitori. Yotsu. Yatsu. Dou desu ka? Hi, so desu ne. Hitotsu, ça veut dire quoi? Hitotsu. C'est bien tout le monde. Hitotsu, une chose. Hitotsu kudasai. J'en voudrais une, s'il vous plaît. Une chose. Jatsugi. Ichi, hachi, san, sanji. Dou desu ka? Dou desu ka? Kotae wa A, B, C, D no naka kara. Ichiban ii mono wo erande kudasai. Dou darou? Dou deshou? Dou kana? Alors ici, Soudni, vous avez un terme en kanji et il faut donner sa lecture en hiragana. Et très bien, c'est un perfect. Hein. C'est bien la réponse C. San, ça veut dire quoi? San wa doyu imi desu ka? 3. Très bien tout le monde. So desu ne? So so so. Quatrième question. Mitsu, mutsu, yotsu, yotka. Dou desu ka? C'est ça, c'est l'inverse de la du premier quiz qu'on a fait. Exactement. Mitsu, mutsu, yotsu, yotka. Très bien. Yotsu. Hein. Et en effet, Kumo et Nosusan ont pris de l'avance. Ça veut bien dire quatre choses. Yotsu kudasai. Ringo, yotsu, yoko, yonko, ça se dit aussi, mais yotsu kudasai. Je voudrais quatre pommes, par exemple. Hein. Très bien. Jatsugi. Hapyaku, yoka, hasai, yoka. Muzukashi desu ne. Chotto muzukashi desu ne. Mina gambatte kudasai ne. 804
28歳ようか。どうですか？この漢字は何ですか？はい、ちょっと難しい。Un peu compliqué celui-là. Le kanji là, avec tout plein de traits, c'est sai, c'est l'âge. Et donc, hasai, hein, c'est en effet kumo 8 ans. Hasai. Hasai. So, so, so. Et déjà, question 6. Yoji, yotsu, sannin, yonin. Gokana. Kanji sorti des enfers. Oh, le décomposant, c'est pas si compliqué. Alors ici, qu'est-ce que ça va... Comment on va le lire? Oh, ici, hein, yonin, on a le kanji de 4 et le kanji de la personne. Du coup, bah forcément, on va être sur du 4 personnes. Coucou Mako-san, alors follow してくれて arigato gozaimasu. Kono channel, yokoso, bienvenue sur la chaîne. Et en effet, un petit cornichon des familles, toi-même tu sais. Konbawa desene, konbawa. So, donc ici, le kanji de la personne, hein, imaginez une personne qui est debout et qui essaye de faire un grand écart. Ça, c'est le kanji de la personne. Hop. Septième question. Alors, soit 600, 300, 800, 6. 600, 300, 800, 6. どうですか? Comment on va le lire ce, ce petit kanji, ces deux petits kanji? Très bien tout le monde! Qu'est-ce que ça veut dire l'opiaku? Hayai ne! Vous êtes rapide! Doyu imi desu ka? Qu'est-ce que ça veut dire? L'opiaku, c'est en effet 600! Très bien tout le monde, 600! L'opiaku! Ah non, Kiki-san! Ah, la vitesse! Ça! Et déjà, tsugi? Alors, Hatsuka, Hatachi, Futari, Futatsu. Toto muzukashi desu ne, sore wa. Souvenez-vous. Il est compliqué celui-là, lecture super spéciale en plus. Hatsuka, Hatachi, Futari, Futatsu. Et oui, bien joué pour les 6 personnes qui l'ont eu. Hein. 20 ans. Quand on dit j'ai 20 ans, eh bien ça se dira Hatachi, Hatachi desu. Je dois m'en aller. Bonne soirée. Merci à toi, Kumo-san, pour ta présence. Et puis, ben, bonne soirée à toi également. Des bisous. Et donc, oui, hein, retenez, hein, le kanji de 2, le kanji de 10, on le voit mardi. Sai. Le kanji, il a plein de traits. ça marchera pas à tous les coups, hein, parce qu'il y a beaucoup de kanji qui ont plein de traits. Mais là, ça peut marcher jusqu'à maintenant. Ça sera 20 ans, du coup. Hatachi. Et c'est l'enfer, les nombres. Ouais, et c'est pour ça qu'on commence par ça. Parce que c'est ceux qui vont vous demander le plus de temps, hein, pour les irrégularités. Donc, comme ça, vous rentrez dans le bar direct et vous avez plus de temps pour retenir tout ça. On continue? Alors là, yotsu, itsutsu, itsuka, mitsu. Yotsu, itsutsu, itsuka, mitsu. Qu'est-ce qui va pouvoir être correct? Yotsu, itsutsu, itsuka, mitsu. Très bien. Itsutsu, ça veut dire quoi? Itsutsu. Sont dessinés. J'avais confiance en toi, cerveau. Tu m'as déçu. Oh non, tristesse, vous n'êtes ça. Ah, quelle tristesse. En effet, hein, itsutsu, ça veut dire 5 choses. Il nous reste encore 3 questions. Gambatte, Mina, gambatte. Oh non, Nobuta-san. C'est pas grave, c'est pas grave. Fais dans ta tête, compte dans ta tête. C'est que t'as bon. Et jatsugi. Go, ni, san. 5月。どうかな、どうかな、どうですか。読み方は何ですか。Comment on va dire ce kanji? Alors ici,
Très bien, en effet, un go, et je mets même plus le à vous de jouer, hein, si quand même je le mets, j'aime bien. Santé, Seima. Kampai, minasan. Kampai. Et en effet, bah, c'est 5. Hein. Go, c'est 5. Avant-dernier. Yotsu. Mika. Yoka. Nanoka. Oh non! Ah, problème de réseau, peut-être. Ça peut arriver. Hein. Alors ici, qu'est-ce que ça va donner? Todeska. Hi, parfait tout le monde. Yoka, ça veut dire quoi? Saïma qui arrive 10 ans après. Ouais, t'as vu? Alors, Yoka, c'est pas avril, attention, le kanji, ça va être le kanji du jour. Et donc, très bien, hein, c'est le 4e jour. Yoka, Yoka, 4e jour. Le dernier, San, Yon, Loku, U, Ichi. Ah, oh, ça va, ils sont gentils à la fin. San, Yon, Loku, Ichi. Si je me trompais sur ce lien, je sautais par la fenêtre. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ça Emma, j'ai une vie d'adulte aussi, mais comme je fais le stream, je peux pas être à la bourre. Très bien tout le monde, en effet. Et donc, ça veut dire quoi? Très bien tout le monde. Iné. Ah, otsukaresama, minasan. Très bien tout le monde. GG. C'est ça, Souni, c'est le 4e jour du mois, donc 1er avril, 2e avril, 3e avril, 4e avril, ce sera celui-là. Je pense que vous pouvez vous faire des clap 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 dans le chat. Hein. Vous avez taffé de malade, c'est très bien. Très très bien. Très 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 bien. Ah, celui-là un peu plus compliqué. Apparemment, c'est plus simple pour vous de reconnaître les kanji que de reconnaître lecture. Et en même temps, c'est normal, vous ne l'avez pas travaillé. Là, on le fait sur la mémoire à court terme. Vous allez voir que quand vous allez travailler votre deck dans la semaine et que mardi, là, vous allez faire le quiz, il y aura quasi que des sans faute et vous allez répondre plus rapidement. C'est normal. Voilà, 50% pour une première, ça aurait été excellent. Hein. C'est que soit bah, vos acquis sont toujours là, soit vous avez une très bonne mémoire à court terme. Donc pour moi, là, je pense que vous pouvez tous être très fiers de vous. Bien joué, Mathias, c'est un 0, c'est un qui décroche la première place. Gudio, c'est un Neko, Céline à la deuxième. Et Lena, San, Letta San et Asugi à la troisième. GG tout le monde! Otsukaresama! Omedeto minasan! Très bien, alors ici on avait plus de mal avec. Ah bah, ça m'étonne pas. Hatachi, 20 ans. 20 ans. Hatachi. Compliqué celui-là. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi, est-ce que ça vous plaît qu'on fasse ça, ce genre de petit quiz, de travailler la lecture, travailler les kanji, faire le sens en même temps? Otsukaresama. Otsukaresama, Nemina. 50 sur les deux tests, je suis plutôt contente pour une première, pour un premier test, je suis pas trop nulle, mais évidemment que non, évidemment que non. On va dire oui. Alors, ne t'inquiète pas, hein, Susan, c'est une question d'habitude, là on l'a fait un test. Et comme je l'ai dit déjà plusieurs fois aujourd'hui, eh bien, vous aurez le temps, normalement, entre chaque séance de Candy, de réviser vos decks. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui sont ici, présents dans le chat, je vais tout de suite vous donner le lien du quiz. Là, il faut créer un compte, il me semble, mais vous l'aurez avec vous. Je vous conseille de le réviser. Et pour ça, je vais vous présenter très rapidement l'application. Je pense que parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas cette application. Donc pour ça, eh bien, je vais... agrandir la fenêtre. Je vous conseille de créer un compte. Hein. Ne bloquez pas juste sur la création d'un compte. Ça vaut le coup pour votre apprentissage. Ça prend quelques minutes si vous liez à un réseau social que vous avez déjà, par exemple. Soit c'est gratuit, donc dans tous les cas, vous n'y perdez rien. Donc moi, en tant que enseignante sur cette application, j'ai des choses supplémentaires. Notamment la partie live que vous n'avez pas normalement, il n'y a que moi ça qui peut l'avoir il me semble. Et ici, ben, vous avez plusieurs choses.
on va commencer par le commencement. Vous avez la fonctionnalité carte, c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez décider de travailler des cartes. Donc là, typiquement, il faudrait que vous preniez un crayon, un papier, et que vous essayez d'écrire le candy de 1, et en retournant, ah oui, en effet, c'est bon, je passe à la suite. Là, pareil, il faudrait essayer d'écrire Hito Tsu, donc c'est le candy de 1 plus Tsu, vous regardez, en effet, c'est ça, etc., etc. À savoir que vous pouvez mélanger et que vous pouvez également partir des définitions, donc partir du kanji et vous entraîner à la lecture. Ça, je lis, c'est Hitotsu. Autrement dit, vous avez un système de cartes. Ce que je vous recommande de faire, bah déjà, je ne sais pas s'il y a un son. Hitotsu. Voilà, vous avez le son si vous hésitez. Et vous pouvez également mettre des étoiles sur les caractères, les cartes que vous ne connaissez pas trop. Parce que quand vous arrivez tout à la fin de votre deck, hein, là il y a 46 mots de vocabulaire pour cette semaine, vous pouvez également étudier uniquement les étoiles. Donc ceux que vous avez vraiment du mal, ceux que vous avez hésité, ceux que vous jugez bon de réviser davantage. Je vais assez rapidement parce que c'est assez instinctif normalement Quizlet. Donc soit vous faites les cartes, soit vous avez tout un cursus pour apprendre. Alors là c'est plutôt simple, on est sur du QCM, vous avez la possibilité de choisir, apprenez rapidement, mémorisez tout, donc mémoire à court terme, mémoire à long terme. Là vous choisissez ce que vous voulez et ensuite vous avez juste à lancer. Avec vos objectifs, etc. Voilà, moi je vais savoir ça d'ici quelques jours, c'est tout nouveau pour moi. Il vous prépare tout automatiquement. Et après, bah, vous n'avez plus qu'à faire votre session d'apprentissage. Et donc là, bah, vous avez un mot et il faut essayer de retrouver. On est sur du QCM hein, et on vous demandera également de temps en temps d'écrire des choses, il me semble. C'est de l'apprentissage. Donc là, à vous de suivre tout simplement le cursus. Voilà, j'étais très bien préparée, bien évidemment. De KCM, exactement. Ensuite, vous avez une fonctionnalité écrire, une fonctionnalité dictée. Ça porte bien leur nom, je vous conseille de tester. Vous pouvez également créer des tests. Donc faites des tests, j'ai envie de vous dire. Et vous avez, je pense, le plus rigolo ici. Je vous lance un petit challenge. Je vais aller sur téléphone. D'accord ? Je vais aller sur téléphone et puis on va essayer de faire le associé. Je remets le lien du Quizlet pour ceux qui veulent. Je vais essayer de faire un bon chrono. Et votre objectif, ça va être de me battre. D'accord ? Donc là, il faut que j'aille sur Quizlet. À chaque fois, j'essayerai de faire un bon chrono sur tous les associés. Comme ça, vous essayerez de me battre sur mon chrono. Hop, associé. À savoir qu'associé, du coup, c'est un memory. Vous devez associer, comme son nom l'indique, le candy à la bonne lecture. Et je vous conseille fortement de le faire sur téléphone si vous voulez un chrono, un bon chrono, parce que sur PC, ça vous prend plus de temps de cliquer, etc. C'est un peu plus chiant. On va faire un petit truc, du coup. Alors. Hop. Voilà. Bon, là, bon, j'ai fait 6 secondes 9. Je laisse comme ça. Je pense que c'est déjà un petit chrono pas mal pour un premier essai. Je vous laisserai aller tenter de battre ce record, ce chrono. Mais je vous encourage du coup vivement à faire ce petit jeu-là quand vous avez le temps. C'est pas mal. Essayez de me battre. On va voir ce que ça donne. Et pour finir, alors je recommence. Si vous êtes sur ordinateur, vous voyez une autre chose, c'est le mode gravité qui, me semble, n'est pas disponible sur portable. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des choses sur PC. Et bien là, tout simplement, ça va être d'être le plus rapide. Donc vous avez la possibilité de varier hein, vos exercices, soit avec uniquement les termes étoiles, soit avec autre chose. Voilà, donc moi je fais tout commencer aléatoire. Alors, vraiment, je vous conseille de checker un petit peu. Le tout, c'est donner, du coup, la lecture, généralement, ou le caractère. Hop. Ah, je peux pas écrire en japonais. Merde. Oh, c'est chiant, ça. Attendez. Hi. Il est où, le to? To. Et. Tsu. Oh, attendez, je peux vraiment pas écrire? Attendez. Hein. Ah, si, quand même. Ippun. Donc là, vous allez avoir des kanji qui vont tomber. Et le tout, c'est de retrouver la lecture et d'être le plus rapide. Plus vous avancez dans les niveaux,
plus votre astéroïde, là, il va descendre rapidement. Et forcément, à la fin, vous devez être capable d'écrire... du coup, là, je l'ai mis en Tsui Tati. Voilà, Tsui Tati. Etc, etc, etc. Je ne vais pas m'amuser à tout faire. Hop. Et je vous ai plus ou moins présenté tout ici. Donc, n'hésitez pas aussi à checker, à tester de votre côté, à personnaliser en fonction de vos objectifs. Essayez de vous fixer un objectif d'une semaine, vu que les cours, enfin, les cours de Candy se font une fois par semaine. Après, à vous de voir. Vous êtes des autodidactes, en soi. Moi, je suis là pour vous aider, mais en soi, vous gérez votre apprentissage, normalement. Testez. Voilà. Peut-on suivre un enseignant sur l'app? Oui, suivre moi? Je ne sais pas. Moi, j'ai fait plein de decks pour moi, principalement. Il faudrait créer... écoutez, je vous envoie mon profil, mais... J'ai beaucoup de choses. Notamment des choses pour moi. Notamment des choses pour moi, je l'utilise en tant qu'apprenante, hein, au-delà d'avoir quelque chose d'enseignant. Donc, tous les kanji seront dans le dossier Kanji Twitch Apprenons Japonais. Vous voyez, il y a déjà la deuxième semaine qui est prête. Vous avez de quoi faire. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Déjà, est-ce que, du coup, ce genre de cours vous plaît? Est-ce que ça va pour l'apprentissage du japonais? Genre, elle bosse. Juste un peu comme ça, juste un peu. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce cours de Kanji? Est-ce que la mécanique vous convient? Est-ce que ça vous a plu? Oui, beaucoup, ça sera mieux que toutes celles dans mon coin. Ah, sans dessiner! Grave bien, ok, impeccable. Bon, 3 avis positifs pour le moment. Sympa, super, ok. Donc, je me répète, mais du coup, à partir de la semaine prochaine, on passe à 4 cours par semaine. Lundi, les kanas, mardi, les kanji, mercredi, la grammaire, et jeudi, ça sera des exercices. Ça sera tous les jours à 18h30, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et parfois, le matin, je viendrai en live, soit pour faire mes révisions JLPT3, soit pour vous montrer un peu et avancer sur le manuel de grammaire que je suis en train d'écrire. Je vois que tout le monde dit que ça vous a plu, donc super. C'est interactif en même temps et très bien aussi. Ok, j'en apprends des choses. sans dessiner. Ah, coucou Passiona Geek, comment tu vas? Comment vas-tu ce soir? Bon, du coup, je pense qu'on arrive sur une fin de live. Donc là, on se revoit, si tout va bien, lundi. Je ne pense pas avoir le temps de stream quelque chose d'ici le week-end. Donc si tout va bien, on se revoit lundi pour les canards. Peut-être du matin, en fonction de mon planning. Mais on se revoit bientôt. J'ai pas l'option gravité, oui. Gravité, c'est que sur ordinateur, pas sur téléphone. Donc il faut aller sur PC pour faire gravité. Et du coup, ça va très bien aussi, Passiona Geek. Ouais, t'arrives à la fin. Bah, c'est ça. Sans dessiner. Tu fais du Twitch aussi? Tu viens de finir ton live? Qu'est-ce que t'as fait en live? Gravité, c'est un jeu qu'il y a sur l'application Quizlet. Ce que je suis en train de vous partager. Ah, mais t'inquiète, Fiolis, il faut t'exercer. Je l'ai fait en un seul essai. C'est qu'il y a moyen. Ah, trop bien. Ah bah écoute, j'irai faire un tour sur ta chaîne, du coup, j'irai voir ce que tu fais. Bon, il y a eu... il y a au moins un jour où je ferai l'impasse. Ma sans dessiner, sans. C'est vrai que lundi, c'est férié. Mais je ne fais rien de spécial, donc je serai en live. Ma vie, c'est de vous donner cours, hein. C'est ça le truc. Même férié ou pas férié, je donnerai cours. Bon, dites-moi, est-ce que vous auriez une petite recommandation pour le raid de ce soir? Dites-moi, est-ce qu'il y a un petit streamer que vous aimez bien, que vous voudriez qu'on raid un petit peu? Alors, il y a les streamers du cœur.
Il y a Sophie cours de japonais de mon côté. Mais ce serait bien de découvrir des gens un petit peu, non? Qu'est-ce qu'on a? Dites-moi les gens, est-ce qu'il y a des recos dans les follow que vous avez pu faire? Alors là, j'en ai un. Il a l'air, ma foi, déjà trop connu. Ouais, on va faire un petit raid chez les streamers du cœur, je pense, hein. Alors, les streamers du cœur, pour ceux qui savent pas, c'est ceux qui m'ont aidé à mettre en place tout ce qui est train de la hype sur la chaîne, tous les sous-titres que l'on peut voir quand il y a des trains de la hype, les quelques émotes qui sont animés notamment. Donc faut pas hésiter à aller et ben donner du soutien aux streamers du cœur. Il fait ça gratuitement. Il est adorable, très gentil et en plus très serviable à faire ça pour les chaînes gratuitement. Donc on va aller lui faire un petit coucou. N'hésitez pas à aller follow directement dès que vous arrivez. Je veux voir des notifs de partout sur son live. La chaîne, bien sûr. La phrase de Red, c'est tu t'es fait japoniser, hein, évidemment. Je vous enverrai sur le Discord, du coup, pour ceux qui ne l'ont pas, le deck Quizlet dans le serveur. La partie annonce, vous allez avoir le deck Quizlet que vous allez pouvoir utiliser et travailler. Travaillez-le pour mardi, je compte sur vous, vous pouvez y arriver. On se quitte avec la petite chanson Otsukaresama, comme d'habitude. Là, c'est fortement mérité, hein. Vous avez tous très bien travaillé, soyez fiers de vous. J'ai du mal à le dire, mais je le pense très fort. Soyez tous très fiers de vous. Et puis, ben, je vous dis à lundi. Sama de shita. À lundi tout le monde.